on se retrouve pour cette deuxième Oui. partie sur les œufs. Je viens d'avoir l'œuf, vous pouvez le voir d'ici apparemment. Regardez derrière, on le voit dans notre Oui. petit ranch, notre petit évoli, enfin nos petits évolis. On fait un petit œuf. Du coup, on va aller voir ça, on va aller voir comment ça fonctionne. Oui. Alors, je pense qu'en faisant un clic droit dessus. Claim egg, voilà. Oui. Du coup, là, j'ai mon. Votre équipe est complète. Ah ouais, merde. Ok, bon, je vais poser vite fait un Pokémon. Hop, on va poser qui? Orc. Le jour. Quand même mieux pour les images. Alors, hop, claim egg. Du coup, on a un œuf sur nous. Du coup, je pense que cet œuf va falloir le faire éclore, du coup, en se promenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Vous pouvez voir, on métamorphe. Crois que j'avais des objets pour certains Pokémon. Oui. Avec. Un truc pour lui. Ici. Objet. Alors, orbe. Poudre métal. Le destin, ça je sais que c'est bien. Voilà. Pour la reproduction, c'est utile. Je crois que ça transfère plus d'IV des parents à l'enfant. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Ah ouais, mais non, faut que je l'aie dans mon équipe. Faut le faire avec un de mon équipe. Oui. Ah mais non, faut mettre mon Tortank dans la boîte. Tortank dans la boîte. Oh. Et là, on va le mettre avec notre petit évoli. Je crois que l'évoli se reproduit avec mon. Blast. Blast. Ah non, il s'entend avec personne, merde. Oui. Du coup, il y aurait qui? On va faire des tests avant. Ah, le béguin pourrait vivre, mais ils ne sont pas à l'aise dans cet environnement, ok. Oui. Le florizard, ça m'étonnerait, mais bon. Alors on flex. Personne. Oui. Avec leur tank. Je vais en mettre plusieurs. On va en mettre plusieurs et on verra. On va mettre lui. Arcanin, tiens. Ah, Canonos. Canon. Alors. Tank, non. Flex, non. Le béguin pour Chinchard, mais ne se sent pas à l'aise à cet environnement, ok. Et. Et. Ils aiment pas l'environnement. Enlever. Cram, c'est lequel? Je crois que c'est Whisty Crab. On va laisser ces deux-là, je pense. Ah, quoique non, Kalina, c'est pas. Ok. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une petite ellipse, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'environnement et qu'on va l'adapter au Pokémon Feu. Allez, à de suite. Et voilà, on se retrouve juste après. J'ai fait plein de modifications, j'en ai un peu chié pour trouver un bon combo, on va dire, en modifiant l'environnement. Donc, j'ai mis le Ronflex et un Ambrilex, qui apparemment fonctionne. Du coup, Larvitar aime Snorlax un peu plus chaque jour, et Snorlax aime Larvitar un peu plus chaque jour. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé tout le sol afin de l'adapter aux deux types des Pokémon. Donc il y a de la laine pour le normal et du grès pour le type sol. Et sans, on va dire, c'était bizarre parce qu'il fallait, je pense, un nombre minimum de blocs pour chacun des deux. Parce que si je modifie tout ça, ils ne peuvent plus se reproduire. Donc voilà, apparemment pour l'instant ça va, donc c'est nickel, on est content. Et l'œuf n'a toujours pas bougé. Donc je sais pas combien de temps ça met pour qu'un œuf éclos. J'espère que je pourrai filmer l'éclosion.
Apparemment, j'ai un autre œuf ici. Voilà, j'avais un œuf dans mon sac. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y en a deux en fait. Ça. Mais bon. Donc du coup, je pense que je vais pouvoir avoir un prochain œuf. Je sais pas ce que ce sera d'ailleurs. Peut-être un bébé ronflex ou un petit embryolex vénère. On verra, à voir. Du coup, je vous filmerai donc le prochain œuf pour continuer nos petits épisodes sur notre petite reproduction de Pokémon. Et on se dit à très vite pour de prochains épisodes. Ciao! Et on se retrouve après cette petite ellipse qui fut très longue. Enfin, Mew est apparu, je suis avec Enbloods. On vient de le trouver à l'instant. Et on va aller le voir, parce qu'apparemment Enbloods l'a spotted. Il est juste à côté de nous, comme vous pouvez le voir. J'ai brûlé toute la forêt, tout autour, pour pouvoir le spotted, parce que tout à l'heure, vous avez pu voir que c'était très très long et que j'ai pas pu le trouver. Donc là, on va partir sur le Mew, les gars. Hop, statue orange. Je vais ranger les bestioles aussi, parce que bon, j'ai sorti tout le monde. Hop, hop, allez. Le petit Mew, ah ouais, je le vois. Yes, enfin, putain. J'avoue que tout à l'heure, j'en aurais chié à le trouver. Niveau 50, faut pas le péter. Hein. Je vais y aller avec plan. Putain, le petit bruit du Mew. Yes. Bon, maintenant, faut pas le buter. Même si je pense qu'il y a un grand moyen que je le bute. Les gars, il y a que niveau 50. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Le truc, c'est que... Et c'est pas résistant. Il a utilisé l'attaque. Tenter une Pokéball direct, enfin une Hyperball. Ça fait mal. Je vais tenter un coup éclair quand même. Ok, ça ne lui fait rien, nickel. Je vais pouvoir en refaire. Ah ouais, on va pouvoir le blesser. Non. 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 Il a fait un coup critique, l'enculé. Il a tué le Mew. Il a tué le Mew. De qui? Il a tué le Mew, mon drataque. Il a tué le Mew, juste au moment où j'attaque, j'allais dire à l'oral, j'espère qu'il fait pas de coup critique, sinon il va mourir. Parce que les deux coups d'avance, elle a mis pile dans le jaune, genre pile à la moitié. Et un coup critique, c'est le double des dégâts. Et il a fait un coup critique, l'enculé. Il a fait un coup critique, putain, ça me fait dévisser. Et donc les amis, la chasse aux légendaires continue, on vient de tomber sur Raikou, le chat électrique. Le chat, le chien, remarque, je sais pas. C'est un chat. Moi je dirais un Evoli amélioré donc je reste sur chien. Et c'est un chat. Hop. Non, c'est un chien. Allez hop, ça part. Draco feu à l'attaque. Par contre, mon Draco feu commence à faire mal donc on va voir comment je lui fais de dégâts. Oh, ça va. Tiens, lance flamme. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, il se régène. Oh, il s'est barré. Il s'est enfui. Il s'enfuit. Ouais. Genre, c'est bon, je l'ai rattrapé. Attends que tu dises pas de Pokémon. Par contre, je l'ai brûlé, c'est pas cool ça. Ah ouais, ça c'est pas cool. Dracofeu est sorti de force. Ouais, il sort de force, mec. Wow. Je crois qu'il a hurlement. Il va tellement être compliqué. Ah, ça va être chaud, là. T'es peut-être la même chose que moi. Il faudrait un Pokémon qui l'empêche de s'enfuir. Spectrum, si t'es avec Ectoplasma. T'as un regard noir, peut-être. Attends, il m'a buté mon Pokémon, c'est cool. Je vais envoyer Dracolos. Je vais faire une Draco charge. Ça va le calmer. Voilà, tu commences à être calme, c'est bon. Une petite attaque. Pokéball, non? Ouais. Oui, hein. S'il fait hurlement, c'est chaud. J'ai que des gros. Un changement de Pokémon. J'ai qui a des petites attaques? Oh, j'ai quasiment personne. J'ai pas d'électrique, donc c'est chaud. Réfléchis bien. Ok, bon, allez. Allez, on bat les couilles, c'est parti. J'envahis la boule. Ouais, d'accord. Non, réflect. Ok. Ça va être chaud, gros. S'il me fait un hurlement. Terminé. Allez, on compte. Zéro. Oula. Il y avait un petit coup, Dracolos. Petit coup. Un petit coup, ouais. 1. Oh putain. On restera là. On en restera un. Ouais, c'est clair.
Allez, Raikou. Non. Oh non. Il est parti. Ouais, il a fait hurlement. Eh oui, bon. Mais tant pis. Bon, on sait qu'il va être totalement compliqué à capturer. Ouais. Sauf s'il a pas hurlement. Sauf s'il a pas hurlement. Donc à voir. Allez, on continue la petite chasse.